Harlem n'est pas un bobo comme Queens ou Brooklyn. C'est un quartier de Manhattan situé au nord de Central Park, délimité par le Hudson à l'ouest et le Bronx à l'est. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays et la ville de New York sortaient progressivement de la crise économique, le quartier de Harlem, tout au contraire, se repliait sur lui-même, devenant même un ghetto noir à la réputation sulfureuse. Tout n'était que trafic, violence, corruption, les maisons se délabrèrent, le paysage urbain se dégrada. De nos jours, les efforts de Harlem sont considérables pour attirer à la fois les touristes, avec la réhabilitation des hôtels, des salles de spectacle et des restaurants, et les New-Yorkais grâce à des incitations fiscales pour le renouveau des quartiers et la rénovation des maisons, peut-être même aux dépens de la population afro-américaine. Aujourd'hui, Harlem est incontournable dans le circuit touristique new-yorkais, et on peut s'y promener en toute sécurité. Les messes du dimanche dans les quelques 400 églises que compte le quartier, avec les célèbres chœurs de gospel, sont aujourd'hui très prisés.